Bonsoir, mes chers compatriotes. Ilo et la diaspora africaine, voilà, aujourd'hui c'est lundi, 26 août 2024. Je vous salue tous. Nous allons faire ici un live pour les Guinéens, pour les militants de l'UFDG. Voilà, et pour la démocratie en Guinée, pour l'alternance, pour le retour à l'ordre constitutionnel, pour le retour des médias, pour la libération de nos compatriotes, de nos camarades. Pour tout ça, nous allons faire un live. Voilà, et nous allons parler aussi du grand meeting hier à New York. Nous remercions tous les militants, tous les Guinéens qui ont été hier à New York. Bravo, bravo, bravo à tout le monde. Vraiment, on vous félicite. Vous avez été les meilleurs. Ça a été, ça, c'est du jamais vu, c'est du jamais vu. Voilà, haray, musibya, on fait pour Weltanam, on Diarnama, haray, ko ilo et la diaspora africaine, rendez qu'au 26 août 2024, lundi. Donc, très content, très fier. Welti Hanweuli, donc, haray, ko yon andu vraiment que Hanki ko wat don New York, c'est incroyable, c'est incroyable. Wallahi, c'est incroyable. C'est-à-dire, Wongol UFDG, vraiment qu'aux fierté. Vraiment qu'aux fierté. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Merci à tout le monde. Montez rapidement. Nous allons déjà écouter ici un petit audio de notre ami Donald Trump. Voilà, Alpha Ousmane, depuis l'Angleterre. Voilà, en Fellow attendant. Africans, Donald J. Trump, honorable politician, I want to be adhering. Jordan Wall, a fee, you give for Jimmy allow mentality, frequency, and development. Me follow you to Tamu, analyze on Cocoa in New York, a county in the Bronx. Okay? Wana La Guinée, Wana Senegal, Na Mali, Wana Sierra Leone, Wana Liberia. C'est l'outil d'un mon nom est de l'Union. Au lion, que jamais on wanted. Au lion, unite, be strong, together we won. Que nous c'est l'outil d'un lion. Si on veut dire nos congolais, on veut gagner. Mentally, physically. En détail, on a c'est l'outil d'un yalta lagini. Et hier, sur les bandits, chaque de mon yalla. On a un droit de monde de sans mentalité, sans idée, sans pays. Et on connaît le peuple la Guinée, on jangata. On a mis mes la fille, kumpai qui était comme Mamadi, mais il fallait que je joue de valeur. Comme on a horé mon tunjo katasiga Mamadi. De comme il horé mental et physically, ko John Tadjo. So there is nothing absolutely comme on a applaudi, no. Kono won da di rude me fi ko nyamo yekiti ko transition won no ko fat de fando ko 4 mois ma 5 mois lutti ido rapi sa hore mo hande on blogger joko wona ni sellu wona na sellu ko yo hollu video sellu fi o jifaji mun ngew oh yes gira ba wo ya hore ni lakine mu yati Senegal mu ya Mali mu ya Sierra Leone mu na Liberia mu ya Cote d'Ivoire mu ya gira ba ne New York quartier en anglais le Bronx Ubara Yamato, Yama Yamato, Yama Giasu Sadi. Donc, n'a pas ramassé Ube, Messas Nam Fafi, n'a un nom ou ta Malidi, n'a un nom à pays, ma Saradi, n'a un nom à Niede, la Guinée d'Iri, la Hawaii, Hui Kirin Fan. Ma Fala Lambe, Kuna, Hui Kirin, Alakou la Guinée, la Sigayari. Mais vous d'or, vous m'avez, vous m'avez, ça n'y fout, vous m'avez, Nemo, transition n'a pas la Guinée. Peut-être dans le bouquin, vous m'avez, 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 Salut Idiatou, ça va? Tu vas bien? $290 000. 280,000 US dollars. Et on m'a dit tsunami, non, à l'école du monde, non, Salut Ousmane. Je n'ai pas la ouïe de fin d'année, je n'ai pas la ouïe de fin d'année. 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 Je n'ai pas la ouïe de fin d'année.
Merci Donald Trump. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci. Donc, c'est audio Donald Trump. C'est vraiment pertinent. Et c'est bien résumé. Vraiment, j'ai vu vraiment qu'il fallait que j'introduis cet audio parce que vraiment, il est bien résumé. Donc, mes chers compatriotes, nous allons revenir sur les Guinéens de New York. Hier, ça a été quelque chose de merveilleux, quelque chose de grandiose. Sincèrement, bravo, bravo, bravo à tous les Guinéens qui ont participé hier à ce meeting grandiose. Sincèrement, méga meeting. Ça, c'est du jamais vu à New York. J'ai eu des informations, même la police était étonnée, même la police demandait c'est quelle personnalité qui est venue. Quand on lui a dit que c'était un leader politique, ils n'en croyaient pas, ils n'en revenaient pas. Il dit comment un leader politique peut être, c'est-à-dire peut avoir tout ce monde-là. C'est-à-dire même un président de la République, c'est pas évident. Donc, imaginez-vous, c'est Ludalène Diallo. Ce qui est plus merveilleux dans tout ça, mais je dis bien, quand on est de l'UFDG, c'est vraiment merveilleux. C'est-à-dire, c'est là où le CNRD a tout misé. C'est-à-dire, le CNRD a misé, a mis le paquet avec Ousouf Alima. Ousmane depuis Abidjan, salut. C'est-à-dire le CNRD a mis le paquet avec Ousouf Alima, Dioun Sira, plus précisément Dioun Sira. Ils ont mis beaucoup d'argent pour pouvoir déstabiliser Sellou Daleye Diallo. Ça, le monde entier maintenant le sait. C'est pour cela que je dis que c'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux. Ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire après tout le paquet qu'ils ont mis pour déstabiliser Sellou Daleye Diallo, hier, les militants, c'est pas seulement leur présence, mais leurs attitudes. L'attitude des militants hier, c'était remarquable. C'est-à-dire C'est-à-dire, si vous avez remarqué les militants hier qui étaient là-bas, c'est pas comme les meetings d'avant. C'est-à-dire venir s'asseoir, observer, regarder, écouter. Non. C'est-à-dire, les militants avaient l'intention de montrer à Ousouf Alima, surnommé Dioun Sira, et à Mamadi Zordan, le criminel de Conakry. C'est-à-dire, ils étaient venus pour les démontrer que Sellou n'est pas touchable. Sellou est unique. Sellou, c'est le futur président de la République de Guinée. Sellou, c'est l'homme d'État. Sellou, c'est l'espoir des Guinéens. C'est-à-dire les militants hier, ils n'étaient pas seulement venus pour regarder. Ils étaient venus pour démontrer à tout le monde que Sellou n'est pas touchable, que c'est l'espoir qu'ils ont pour la République de Guinée. C'est pour cela que je dis que c'était merveilleux. Parce qu'ils étaient là, mais très actifs. C'est-à-dire, ils étaient révoltés. C'est incroyable. Les mots me manquent. Moi, tout ce que je vous dis, c'est-à-dire vous avez été merveilleux. Vous avez été vraiment brave. C'est-à-dire vous avez fait quelque chose d'incroyable. Nous, on rêvait d'avoir ces images-là. Même si certains ne peuvent pas comprendre. Merci pour les cœurs, Mariamba. Merci beaucoup. C'est-à-dire même si certains ne comprennent pas pourquoi ces images-là sont importantes, mais nous, on le sait. Ça, c'est des images
recherché pour un leader politique, même pour un président de la République. Ça, c'est quelque chose de grandiose. C'est des images qu'on cherche. Et il y a d'autres qui dégagent des grands budgets pour avoir ces genres d'images. Donc, et la bonne nouvelle, dans tout ça, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'il y avait eu beaucoup de gens, beaucoup de militants de l'UFDG qui étaient partis déjà du côté de Oussou Falima, qui étaient déjà partis, qui se nommaient déjà amis de Ousmane Gawa, amis de Ousmane, de Oussou Falima. Moi, je ne vais pas lui dire Gawal parce que Gawal est trop grand pour lui. Voilà. Donc, la bonne nouvelle, c'est-à-dire, comment dirais-je, c'est-à-dire, les gens qui étaient partis pour soutenir Dioun Sira, Oussou Falima, c'est-à-dire, ils sont de retour. Voilà. Les gens qui l'avaient soutenu, soi-disant qu'ils vont déstabiliser CDD, maintenant, ils ont tous demandé pardon. Ils sont revenus en disant qu'ils se sont trompés. Mais on ne peut pas abandonner CDD, Sellou Dalein Diallo, pour suivre Dioun Sira. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, quand on le fait, mais vraiment... sans savoir ou sans avoir réfléchi. Mais quand ils ont réfléchi, ils ont demandé pardon. Ils sont de retour. Mais je dis bien tout le monde, hein, tout le monde est de retour. Tous ceux qui étaient partis, ils sont de retour. L'UFDG est intouchable. L'UFDG, c'est comme une religion. L'UFDG, c'est devenu comme une religion. C'est-à-dire partout dans le monde. Partout dans le monde, l'UFDG est incarné. L'UFDG, c'est là, c'est la force. C'est-à-dire, vraiment, big respect à ce parti. Même si les saboteurs vont sortir dire, écoutez, nous, on s'en fout de cette mobilisation, on s'en fout, parce que nous, on sait que c'est pas ça qui donne le pouvoir. Mes chers compatriotes, cette fois-ci, celui qui dit qu'il va dégager Sellou, que Sellou ne va pas participer à des élections, c'est-à-dire toi-même tu n'existes pas, toi-même tu ne vis pas. Parce que ça, ce n'est pas faisable. Ce n'est même pas rêvable, parce que tu ne peux même pas rêver ça. Ça ne marchera pas. Mamadi Doumbouya, la foule que tu as vue hier, voici des Guinéens qui viennent de la Guinée, qui t'ont soutenu, qui ont dit « Doumbouya, on te soutient, ton discours, on l'accepte, on l'a accepté, parce que tu as vraiment donné un discours grandiose. Et c'est ça que toi, Doumbouya, tu ne veux plus respecter. » Donc, les gens que tu as vus hier en train de soutenir CDD, ça, c'est la Guinée, Doumbouya. Ça, c'est la Guinée qu'on a créée. C'est les citoyens de la Guinée qu'on a créée. Ils disent non. Non à Doumbouya. Non à Doumbouya. Ils disent non à Doumbouya. Les Guinéens disent non à Doumbouya. Voilà. Sincèrement, c'est merveilleux. Ce public-là est merveilleux. Waouh! Non, c'est incroyable. C'est-à-dire ça. Non, sincèrement, vous avez fait quelque chose de grandiose hier. C'est-à-dire, ce que vous avez fait hier, moi, sincèrement, vous m'avez chargé les piles. Je suis tellement fier et content d'être de l'UFDG que vous ne pouvez pas. C'est-à-dire, ça, c'est quelque chose que, vraiment, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Voilà, ça, c'est pas la démagogie. Doumbouya,
Aujourd'hui, toi-même, ce que tu fais, c'est-à-dire les budgets, l'argent du contribuable que tu fais sortir pour mobiliser des gens, pour ce que tu es en train de préparer, c'est-à-dire tu pouvais arrêter, tout simplement. Parce que la Guinée n'a pas besoin de cette démagogie. La Guinée n'a pas besoin de ça. Oui, Amadou Foun, bonsoir. La Guinée n'a pas besoin de cette démagogie. C'est-à-dire, arrête les soutiens que tu avais interdits par ton propre décret. Là, maintenant, c'est ce que tu es en train de pratiquer maintenant. C'est ce que tu veux mettre en place. Les t-shirts préparés, les organisations pour les concerts, les organisations pour les matchs de foot, c'est-à-dire, sincèrement, c'est honteux. Donc, tu ne peux pas, tous les discours que tu as fait, toi, Mamadi Doumbouya, tous les décrets que tu as signés, tous les chartes que toi-même, tu as rédigées et que tu as signées, tu ne peux pas venir aujourd'hui nous dire que tout ça, c'est faux. Maintenant, tu veux maintenant aller, maintenant, toi, tu es là, ce sont les imams, c'est-à-dire les religieux, les sages, c'est avec eux, les karamoko, les féticheurs, c'est avec eux maintenant tu veux gouverner la Guinée. C'est-à-dire le peuple de Guinée n'existe pas. Le peuple de Guinée ne compte plus. Ceux qui t'ont soutenu, ils ne comptent plus. Donc Mamadi Doumbouya, arrête la démagogie. Arrête. Hier, je suis sûr et certain, après avoir vu cette foule, je pense que hier au palais, vraiment la poudre a beaucoup... Hein, la poudre a beaucoup fonctionné là-bas hier. Sincèrement, ce n'était pas évident. Dion Sira, je ne sais pas où tu es, partout où tu seras, sincèrement, tu as vu que vraiment, ce que tu es en train de faire, c'est du ridicule. Donc, voilà. Maintenant, pour ceux qui pensent que, voilà, pour ceux qui ne savent pas pourquoi tout le monde n'était pas dans la salle, il y avait la place même en haut. Il y avait des places en bas et en haut, mais en fin de compte, comme les jeunes étaient tellement agités, donc la police a dit qu'ils ne peuvent pas s'asseoir au-dessus parce que c'était un peu risqué. Donc voilà, ils n'ont pas accepté que les gens montent au-dessus. Donc ils ont tout simplement laissé des gens en bas et ils ont interdit la foule. Il y avait plus du monde dehors que dedans. Ça, au moins, les gens ont vu. Et donc, il y avait des gens... il y avait plus de 3000 personnes déjà. La salle faisait 2000 personnes, c'est ce que j'ai entendu. La salle est une salle de 2000 personnes. Donc vous savez, aux États-Unis, les salles sont tellement vastes. Donc déjà, c'était une salle de 2000 personnes. 2000 personnes, c'est pas petit. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plus de 3000 personnes qui sont rentrées. Et après, ils ont reçu un signal alarmant qui disait que voilà, il fallait vraiment contrôler tous ceux qui sont dedans. Donc, il fallait ressortir tous ceux qui sont dedans. Donc, ça a pris du temps parce qu'il fallait que... Imaginez-vous que 3000 personnes rentrent dans une salle et maintenant, tu veux que tout le monde sorte pour reprendre à zéro, pour faire rentrer les gens deux à deux. Donc, c'était un peu compliqué, mais bon, ils ont réussi ça parce que les gens voulaient... Il y a certaines même qui parlaient d'annulation du meeting. Mais en fin de compte, ils se sont compris, ils ont trouvé vraiment... Bon, chacun a fait de sa part et tout le monde est ressorti dehors pour qu'on puisse vraiment filtrer bien la rentrée pour que tout le monde soit bien contrôlé parce qu'il y avait un petit risque, parce qu'il y avait un petit alarme. Et vous savez, aux États-Unis, en Occident, partout, c'est la sécurité. La sécurité, on ne s'amuse pas, on ne badine pas avec la sécurité. Donc, parce que les êtres humains, ici, on respecte l'être humain. Donc, vous avez vu aussi la manière dont la police a pu gérer la foule avec des jeunes agités. Mais il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu quelqu'un qui a été blessé, il n'y a pas eu quelqu'un qui a été tué. C'est-à-dire, tout s'est passé bien. Donc, voilà, tout ça, c'est des leçons. Donc, voilà, au lieu que, comment dirais-je, au lieu que nos dirigeants viennent à l'ONU
aux Nations Unies pour dire que nous sommes un continent indépendant ou bien nous sommes un pays indépendant. Hein, nous aimons, nous faisons ça, la démocratie, c'est nous, à notre manière et tout ça. Au lieu de dire tout ça, ces gros mots, c'est-à-dire respecter l'être humain. C'est simple. Respecter les êtres humains. Même si vous ne respectez pas votre peuple, respectez les êtres humains. Ça, c'est le bon Dieu qui demande ça. Respectons-nous. Respectez les êtres humains. C'est-à-dire, un être humain doit être respecté. Vous comprenez? Donc, nos dirigeants, malheureusement, c'est des gros mots. C'est des gros mots seulement. Voilà. Donc, voilà, il y a un autre point encore qui est important, c'est que tout le monde est venu, la foule que vous avez vue, et personne ne s'est blessé, tout le monde est rentré, il n'y a pas eu de blessés. Il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de blessés. Donc ça aussi, c'est à féliciter, c'est à remercier. Donc, mes chers compatriotes, vraiment, c'est une fierté. Et moi, je dirais que vraiment, que les Guinéens vraiment puissent tous ensemble, hein, je demande tous les Guinéens tous ensemble de soutenir ce grand monsieur. Si ce monsieur vraiment a réussi à réunir depuis 2010 tous ces foules de monde, c'est parce qu'il y a quelque chose en lui que le bon Dieu nous a donné. Donc nous avons un pays riche. Et nous avons des êtres humains, des personnes de ressources riches, comme CDD par exemple, une personne vraiment de ressources. Donc nous avons des ressources et nous devons confier ces ressources à des personnes de ressources. Donc c'est lui, il fait partie de ces gens-là. Donc aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup qui nous restent. Hein. Donc il faut qu'on veille sur ce monsieur-là, il faut qu'on lui protège, il faut qu'on lui soutienne, il faut qu'on sache que c'est notre espoir. Et il ne faut pas qu'on s'amuse à ça. Parce que nous voulons que notre pays soit une nation. Nous voulons que notre pays soit un pays où il fait bien vivre, où on peut vivre. Un état de droit. Nous voulons vraiment où chaque personne peut vivre. Du moment que tu n'as pas provoqué, du moment que tu n'as rien fait, c'est-à-dire, tu dois vivre dans la tranquillité sans avoir peur. Aujourd'hui, en Guinée, on ne peut pas vivre parce que les gens ont peur même de faire des déclarations, même de parler. Dans un pays où on a peur même de parler, c'est-à-dire, quelqu'un ne peut pas venir investir dans ce pays-là parce qu'on a même peur de parler. Même la radio est fermée. Pourquoi? Parce qu'on a peur même des critiques. C'est-à-dire, dans un pays où vous avez vu les inondations? Donc aujourd'hui, il faut qu'on sache que nous devons tous penser qu'il faut que ça change. Parce qu'il faut que ça change. Le CNRD, on les dit de respecter leurs engagements. S'ils respectent leurs engagements, on n'a pas de problème en Guinée. Mais ils ne veulent pas respecter leurs engagements. Donc, qu'est-ce qu'il va subir? C'est-à-dire que c'est le peuple de Guinée qui va subir. Donc, plus qu'on se donne les mains le plus vite que possible, plus qu'on s'en sort. Donc là, nous avons tous vu aussi la journée vraiment des transporteurs qui ont fait les arrêts des moteurs, qui ont arrêté tous les moteurs, tous les camions garés. Donc voilà, vraiment on a vu aussi que ça a réussi parce que on a vu vraiment que la ville, le pays est paralysé. Bon, partout dans les régions, on a vu les camions garés. Donc, ça aussi, ça a été quelque chose, un succès. Donc, nous demandons à tous les transporteurs, à tous les chauffeurs, vraiment de se donner les mains pour qu'on puisse vraiment, ensemble, combattre le CNRD parce que vraiment, ils nous ont trahis. Donc, il faut qu'on se donne les mains pour qu'on puisse vraiment aller directement au retour à l'ordre constitutionnel pour qu'on puisse vraiment aller vers les élections. Parce que si on ne se donne pas les mains, si on essaie de se saboter entre nous, ce n'est pas bon. Donc là, paralyser le pays en arrêtant tous les moteurs,
Ça fait partie de nos droits aussi, parce que nous ne voulons pas la guerre dans notre pays. Nous voulons tout simplement réclamer nos droits. Nous voulons tout simplement dire que le CNRD doit savoir que nous sommes des êtres humains. Ils ne peuvent pas venir nous imposer comme ça et sans vraiment, comment dirais-je, et sans penser que nous aussi, nous pouvons sortir, manifester, nous avons le droit de manifester. Eux, ils ont, aujourd'hui, eux, ils incarnent les armes. Ils terrorisent le peuple parce que tout simplement, ils veulent rester au pouvoir. Et nous, nous disons non. Donc c'est pour cela, je félicite vraiment tous les chauffeurs qui ont respecté le mot d'ordre et que les autres aussi doivent continuer jusqu'à nouvel ordre, parce que c'est ça le combat. Ça va être dur, mais nous allons gagner. Voilà. Donc, Ampoular, vite fait, Moussibian, Hande ko nyalande molanande. Parce que vraiment, Wawi wadde hanki ko fe New York kon, hanki dun don dem vraiment woni ko himbe be mandito. Parce que dun don dem ko welo welo molanango non. Hanki ko fe kon ko welo welo molanango. Vraiment, aden welti han, mi ronki andude ko mi wada. Wallahi. Mi ronki andude ko mi wada. Tellement que quand j'ai vu les images, j'ai dit, mais non, c'est pas possible. Joni non, iden andi, wobbe yaltay inna, kambe be ronki dun do kambe di image ji do kambe be boyi wude dun gila 2010 sellu no wonde jama on hande kadi ko men fala ko laamu ngun ko nati do awa non hara yo ngandai mo wonda e jama heɓata laamu on fami effectivement Afrique ko heɓata laamu hina sama kala parce que déjà 2010 o gagni ko hendaki 2015 o gagni ko hendaki 2020 o gagni ko hendaki. Mais quand on nous dit tout, c'est que 2024 on est. Prochaine élection, j'ai dit, hay goto wawata jattugol sellu élection, j'ai dit, si on gagne kedi hay goto sellu dalen jallo e fop iden andi hande e der lagine Allah wawdo mo gagnade élection. Mais sikkudo wondema ko feƴƴi 2010 ko han 2020 ko ɗum ɗon kadi wattoyta kadi yo on tigui ittu ɗum e hakkille mum ɗum ça ne marchera pas ɗum ko yo henan on ça ne marchera pas donc haray noon ko honɗum noon ɓuuri fotude e ɗi image yaltude hanke koko tawi déjà CNRD on ɓe mobilisi mbuuɗi ɓe jonni Ousou Falima Diounsira mbuuɗi buy fi déstabilisugol sellu Dalen Diallo ko honɗum noon ɓuuri fotude e ɗum ɗo c'est à dire que ko plus que hiɓe ƴettude mbuuɗi ɓe jonna Diwon Sira fii yo déstabilise mo plus que jama on no hollude wondema kamɓe ko sellu ɓe suɓi kamɓe ko sellu ɓe hiɗi kamɓe ko sellu ɓe hooli donc ɗum ɗon ɗen woni victoire o ko ɗum waɗi si jama on fop no duwa kadi weltorgol ɗi image ji ɗo weltano jama on New York vraiment hiɗon weltana hanki ko waɗɗon ɗon kon c'est-à-dire ko ɗum duwano waɗede dadi présence mo gon noon hina fi ko dari ɗon kon tun hina fi ko yewɗon ɗon kon tun e daaru na no wowiri noon yewgol daro ndaara observa noon hanki ɓe yewnoɓe ɗon c'est-à-dire ko ɓe yew hollugol Mamadi Doumbouya wondema c'est-à-dire ko selluɓe faala yo laamu leydi ndin c'est-à-dire ko sa hino façon no ɓe agitiri noon andare tawa vraiment ɓeɗo ɗen ko détermination totale ɓeɗo ɗen ko ɓe faala ko andingol Mamadi Doumbouya ko eɓɓi kon marsata ko andingol Diwon Sira wondema simo faala o jonnete mbuuɗi laguine ɗin fof o wadda o hibba e jama o l'amour forcé n'existe plus hanki noon ɓe andini ɗum ɗon Diwon Sira c'est-à-dire ɗum ɗon on ɓe andinimo wondema marsata hande kadi marseta hande kadi donc o yi mbuuɗi ko ɓe naɓorno ton kon fof ka on yaali sifa o fulɗoɗe mbaw maɓɓe awa ko ɗum ɗo noon woni victoire o donc président sellu Dalen Diallo ko himɓe ɓen tigui woni ko woni e ƴattude mbuuɗi ko jiifa mum accita golle mum yaaha kadi daro de 7 heures du matin han 1 heure du matin himɓe no dari no iwtiri ɓawo o no ɗum no ɗum no ɗum no hulɓini
emba dum no hulbin sarir mimmi do ngaldi joni non goddo non si inni ma non ittay dum do e juude makko haray o tampi don goddo non si inni ma kadi wonde ma dum do ko mere accitumo don yo goddo moji do parti politique haro wala goto baa makko ko yaari wo hebata himbe sappo joodi be o jodo yawito ko sellu jogi do ko anga accitay dole ma den ko alla okkuma kon ya jodda e tewtoda ko himbe aybinta wata goto e modon tewto ko himbe aybinta faala do yo wi ko mama ya wi e bravo bravo mama ya ko si tawi hauri hida jogi sifa dum do si tanjino da ko heddi ko si tawi ala an hay goto bawma ko bandiyagal ko manipulation ko duma ko laamu bandi hay ko ono ni jide laami be lagine ben fof kono be sakitori mi jide laami be lagine ben fof kono be sakitori donc awa min go minata ko jogi den ko ko sellu jogi ko ko nendi laabundi pos hande on yi comment dirais-je on yi oyano oya oya Sékou Touré wandi ko laamu o mayi Sékou Touré donc on andi dictature laamu ngu wela lansana Konté kanko kadi o yino sakkitori non sifadin laamuji fop di wela sadi laamu si tawi a maayay hara hande kadi fima on perdi goddo woltata dum fota sadir o yi do den Dadis Camara on yi do den kadi Sékou Ba Konaté on yi do Alpha Condé joni non dumbuya on yi kadi do ko do kadi sakkitoto ka donc awa sifadi laamuji do fu mim personnellement mimira fi hondum parce que c'est-à-dire si tawi hauri alami kya gayni hara jango bimbi c'est-à-dire si tawi alla jettiti may mum hadi hay biddo ma ala ko wura der leedi nin tranquillement mais dum na laamu non dum fota foti hara salami ke han si tawi hauri alluttu e mum haray ko e der duubi ko happana da ko alluttie mum bay ko alla jogi wonkiki haray foti hara bibbe maben hebay ko wura e hore dignité hara sibe yalti hara fop no weltanibe mais si tawi hauri alami ke hanga alla jettitima biddo ma susata ha yalti tude dun na laamu non dun na laamu wada ndu barki awa hande enen lagine ala laamu mantortengu bay fejjudo yinete dikka oro dikka way fejjudo fopi no sonji gila 58 den sonji laamu fejjungo inen dikka nguya laamu fejjungo inen dikka nguya ça veut dire que en hetali hore men taw ça veut dire ka joni en hebal taw laamu donc du wadi wata goto yawito ko joggi den do ko c'est à dire ko dun do wona dabbede awa non mo sikki non ko dun do den tum holora fi hewtugol ko laamu on tigi yo wuttu jungo engal Mamadi Doumbouya il faut que kanko tigi o anda wondema ko feddi ko feddi do ko heddi do ko désobéissance civile ko dum fokkiti manam hande kadi sharia mabbe on hande kadi hay goto respectata leydi ndi wonay leydi ndi ala sharia parce que ko kambe dabbiti ko kambe togni ko kambe feni ko kambe jamfi donc jama lagine on kanyun kadi immoto inna hande kadi lanni nyande non on modordo don jonna hande kadi kala non soutenu do Mamadi Doumbouya haray hande kadi o habbu Touba parce que haray wukko di rama si inna ma désobéissance civile si yey han leader be ben immike on ti hundu ko mun ko inni hande kadi ko désobéissance civile lanni be landike dum don de militant be ben haray ko yon andu CNRD e kala wonando CNRD haray problème ari parce que hande kadi haray hande kadi ko beppondiro hande kadi ko beppondiro de parce que non c'est fini hein nyande leader be ben immi be inni gilande ma nyalande kari ko désobéissance civile ande haray lanni lagine c'est fini kala mo hida problème wato soutenu CNRD kala fala do problème yo soutenu CNRD parce que gilande ma nyande ko yo andu ko beppondiro
ko warindiro ko nyamindiro ko jattindiro ko fellindiro ko fap c'est grande kadare tout est permis dun don ko teddungal e kala guinéenjo yawiti do dun non wo yo jodo han inne désobéissance civile si tawi on anda dun don mi andi ni yo si inama désobéissance civile hande kadi ko yo andu laamu ngun c'est terminé c'est fini ono non son sikki ko non je la guiné ko e ngal non andoton leydi nin ko hawtande ko e ngal andoton be opposant be wonbe négocier mo gilande mabbe fuddi négocier gilande mabbe fuddi sensibiliser de e menen kadi be wonbe sensibiliser de ko réseaux sociaux do ko e ngal andoton wonde ma jaka ko hanno sadi ko hanno lendi ngubba ko parce que meden sensibiliser de ko parce que men hawjata men hawjali ko parce que leader be ben kadi hawjali me gila nyande be tonti gila nyande be tonti ko yon ando haray problème ari lagine dun non ko teddungal men en fop nani haray ko dum mi arno andi ngolen do live on juti haray mi hada do haray on fop mo don on to rama sakitugol message on voilà haray Mamadou Timbi Bari salut voilà haray on jaram on fo mi weltani ke on vraiment ko dun don den woni ko mi arno andi ngolen weltanagol jama on fop hanki participe be New York andina be vraiment be wadi quelque chose de grandiose vraiment et puis kadi andina kadi jama on fo kadi wondema bientôt désobéissance civile bientôt dun don non ko mo d'ordre mo nanda vraiment ni leader politique be ben doamo jonnude et puis ko mabe jonnamo parce que vraiment ko dun don souti CNRD on goddo habborabe ay fu hande kadi ko lebbina heddi hay goto be habborabe hay fusbe habboraka nyande non mo dordo jonnawo haray lanni haray ko haado haray barano nani teddungal men bon haray enge sa jarojo di merci.